Ok. On est sorti de la maison 11 qui a donné naissance au Verseau. Et maintenant, on va parler de l'ascendant. Poisson, né dans la 12e maison. Neptune, Jupiter et Vénus en exaltation. Yeah. Dans la maison 12 qui a donné donc naissance au poisson. Alors, il faut regarder où Jupiter tombe. C'est là que tu auras en fait le trait, ou les traits plutôt, parce qu'on a plusieurs chez vous. C'est infini. Vous faites partie de la 12e maison. Vous fermez le cercle littéralement. Ça veut dire qu'émotionnellement, Jupiter Yin, vous avez expérimenté quoi? Le rêve. Rêve dans l'astrologie, c'est incarné par Neptune. Neptune, c'est un peu la grand-mère qui vient de balancer quelques idées, quelques recettes, tu vois, afin de faire des thunes ou de régler ses problèmes de thunes aussi. Mais bref, c'est un savoir qui a été pris du subconscient, donc des ancêtres, de ton énergie interne, de ce que tu as expérimenté intérieurement et du savoir même que tu es arrivé à extirper, à recevoir, à choper des gens littéralement. Navigateur dans les émotions, dans le flot émotionnel des gens. Justement, la 12e maison incarne ça, la mort. Mais ça incarne aussi la créativité qui ira exalter dans la première maison qui a donné naissance au bélier. Ben ouais. C'est marrant parce que la maison d'où tu sors, en fait, aura toujours une influence sur la maison, ou plutôt dans la maison où tu arrives. Ce qui explique aussi ce qu'on appelle dans l'astrologie les copsides. C'est quand, en fait, une maison chevauche une autre par les degrés. Tu calcules ça par les degrés. Les degrés, en fait, voient ça comme si c'était des démons qui animent ton persona. Ouais, démons inside. Degrés, en fait, c'est la manière dont tu vas calculer ton pourcentage de démons inside. Rien de flippant quand on parle de degrés, ok? Quand on parle de démons, ça veut tout simplement dire, en fait, entité intelligente cachée à l'intérieur de quelque chose. Donc c'est tout simplement en fait le fluide qui t'anime, d'accord, et qui te permet de naviguer dans ce monde, qui a même permis la création de ce monde par le rêve. Les fluides, éléments eau, les poissons, on va y aller, 12e maison. Ce que va t'octroyer en fait la maison que tu quittes, c'est tout simplement la modalité en fait de la vibration qui était dedans justement. Là, on avait une modalité fixe, donc fixée sur sa propre manière de penser et de communiquer, tout en gardant en fait son individualité, son originalité. God damn right, Verseau style, ok. Et donc toi en fait, ce que ça t'octroie en tant que poisson, ou même qu'ascendant poisson aussi, parce que là on parle dans termes d'énergie, de ce qu'il y a dans les fluides, c'est le fait de garder justement ton individualité dans les fluides, dans le flot émotionnel des gens. D'avoir en fait ta propre empreinte à toi, uniquement. Avant d'aller dans la première maison, on va voir ce qu'il y avait avant la première maison. La 12e maison qui a donné naissance donc au signe, à la vibration des poissons. Avant de la faire en fait se déplacer de 30 degrés, car une maison est égale 30 degrés. Donc là, on a le poisson, c'est la 12e maison, c'est le subconscient, c'est la conclusion, c'est littéralement ce qui est imprimé qui va aller s'exalter sous le signe en fait du bélier dans la première maison, qui deviendra donc ta personnalité. Car l'ascendant en fait, c'est vraiment l'image, l'empreinte que tu laisses, la marque, tu vois, la marque personnelle, car ça représente justement la première maison, la maison du personnage, ce qu'il y a sur toi, ce qu'on retient de toi surtout, la manière dont tu te mouvois de manière inconsciente, je vais dire, inconsciemment donc. L'ascendant représente l'inconscient. Littéralement, lorsque ton soleil, l'œil droit, cerveau gauche, ce que tu veux, ok, ce que tu vois et veux donc, ok, sont endormis. Et lorsque tes besoins, œil gauche, cerveau droit, yin, ok, la lune, donc, a besoin de rien. Émotionnellement, elle a besoin de rien. On n'est pas du tout là pour regarder comme on sent maintenant. Mais bon, pour regarder l'ascendant, on va regarder quatre maisons qui sont. Alors, en première maison, le signe des poissons, une personnalité jupitérienne d'ailleurs, yin, donc pas extraverti du tout. Souvent un peu timide. Des personnes qui sont très à l'écoute. Parce que dans la maison 4, il y a Gémeaux.
Ça veut dire que chez eux, en fait, dans leur environnement émotionnel, ça blablatait grave. Il y avait grave du jeu d'esprit, man, de ouf malade. On a Jupiter, en fait, dans la première maison. Jupiter représente donc les expériences. C'est un peu comme l'ascendant Sagittaire. Première maison, les expériences aussi. Mais eux, les poissons, c'est une expérience qui sera... Ce sera difficile, en fait, d'en parler. Vraiment, c'est difficile d'en parler parce que vous avez Mercure de base qui est en exil. Parce que Jupiter, en fait, vous gouverne. Et comme vous avez Mercure qui est en exil, vous avez vraiment votre propre manière à vous d'exprimer, en fait, ce monde-là. Mais une manière, en fait, qui doit être plutôt logique. Parce que dans la troisième maison où il y a Gémeaux normalement, la troisième maison, c'est je communique. C'est là, en fait, où tu discutes avec tes frères, avec tes sœurs, avec les membres de ta famille, avec tes copains, tes amis, tes amis, en fait, d'enfance, les collégiens, etc., lycéens, peu importe, tu vois, les personnes qui sont restées là, dans ta localité, en gros, ton environnement, donc familier, maison 3, eh ben, vous avez Taureau. Taureau, c'est un signe de terre qui est basé sur la logique et il est fixé dessus, ok? Il faut que ça reste logique et que ça soit teinté de praticabilité, ce qui vous manque énormément. Car les poissons, de base, ont la terre qui est en chute chez eux. Parce qu'ils ont Vénus en exaltation. Ils ont l'amour, en fait, de tout. Littéralement, tant que ça concerne les émotions et les sentiments. Donc, ils sont connectés à tout, littéralement. Mais il s'est cassé un bras, il s'est coupé un bras, il s'est blessé. Ouh, ils ressentent ça à l'intérieur de bordel. C'est pour ça que tu les vois pas dehors. C'est des gens, quand tu tombes sur eux, t'as de la chance quelque part. Parce que tu les vois pas dehors. Forcément, comme c'est Jupiter qui est dans la première maison... Ah ben c'est ce que tu dois apprendre à expérimenter. C'est vraiment tout ce qui sera au-dessus de toi et à savoir l'extérioriser car ton Jupiter, il est yin. Tu expérimentes de l'intérieur, mais la maison d'où tu es sorti, en fait, t'octroie en fait ce pouvoir-là d'avoir ta propre individualité émotionnelle dans la collectivité émotionnelle, en gros. Et forcément, si tu dois expérimenter des expériences, si tu dois mener donc des expérimentations spirituelles, l'alchimiste verso style, lui c'est plutôt basé, tu vois, sur le côté chimie. Toi tu serais plutôt l'alchimiste, tu vois ce que je veux dire, l'alchimiste. Mais bref, en gros, vu que c'est Jupiter, t'es naïf quand même. Tu dois apprendre justement, tu dois expérimenter pour ça aussi. Et il faut que tu apprennes à savoir le communiquer, parce que bordel, c'est difficile. Parce que dans la maison justement de je communique, j'ai dit tu as Taureau, et dans la maison de ton confort, du foyer en fait, de comment tu te sens émotionnellement, tu as le signe des Gémeaux. Gémeaux dans la maison 4. La maison 4, c'est le plan en fait de comment tu te sens à l'intérieur lorsque ton cœur est en fête. Mais vraiment, c'est la maison qui concerne en fait ta stabilité émotionnelle. Comment tu as été nourri en fait lorsque tu étais petit, par exemple. On peut faire des déductions à l'infini. Mais dans l'ambiance en fait de ton foyer, c'était un signe d'air mutable Gémeaux. D'accord, capable d'adapter sa propre manière ou de s'adapter à la propre façon et manière des autres de communiquer et de penser. Donc de penser et de communiquer, c'est penser. Bref. Émotionnellement, donc, à la maison, il y avait beaucoup de beaux parleurs, de manipulateurs, de gens qui jouaient sur les mots, qui voient, qui savaient venir te chuchoter le mot. Oh, merci. Oh, mais j'avais cru que... Menteur, sneaky, détecteur de sneaky, ou sneaky eux-mêmes, fourbe. Bien sûr, comme ça concerne aussi le domaine privé, parce que c'est les affaires privées, la maison 4, les problèmes domestiques également, la famille, donc... Et vu qu'il y a un signe mutable R, ben tu communiques beaucoup sur ta famille. Tu aimes bien parler de ta famille ou parler aussi avec les gens de ta famille. Stylé, bien stylé. Mais bref, en tout cas, il y avait beaucoup de jeux d'esprit. Ça, tu connais bien. C'est d'ailleurs pour ça, en fait, que tu supportes pas trop l'extérieur. Parce que les poissons, ils sont connectés. Mais connectés d'une manière, en fait, que nous, on n'arrive pas vraiment à capter. Dans le sens où les gars, ils peuvent choper, en fait, des vibes comme ça. Envie de chialer, envie de pleurer, envie de tabasser quelqu'un, envie de... Parce que toi, tu viens de penser un bail, d'accord? Tu veux faire un... T'as mis l'intention, mais tu le fais pas. C'est dans les airs, donc. Ah ben, le poisson récupère ça. Ouch! Récupère ça, grave. Enfin, bref. Comme c'est un signe d'eau... Il tend à se connecter
émotionnellement et sentimentalement aussi. En plus, il a Vénus en exaltation, donc il le fait partout où il peut. C'est pour ça qu'ils sortent très peu et qu'ils savent s'entourer en fait de certaines personnes. Malheureusement, avant d'arriver à ce stade-là, tu as dû expérimenter en fait beaucoup de situations où ta naïveté t'a mené, littéralement. Parce que justement, à propos de mener, dans la maison 7, tu as le signe des Vierges. Alors donc, le signe des Vierges dans la 7e maison. La maison donc qui concerne le plan des associés, des personnes avec qui tu aimes te lier. One on one. Tu vois, discuter, partager, expérimenter, tu vois, la vie ensemble. Et plus, c'est affinité aussi. Mais bref, tu as le signe de la Vierge, mutable terre. Donc, en fait, la personne qui t'oppose, la personne, en fait, qui tirait bien quelque part, en gros, c'est quelqu'un quand même qui reste assez sur les choses terrestres, qui a capté et qui s'est capté aussi le petit détail qui t'a filé entre les yeux ou le nez ou les oreilles. Les cinq sens, de toutes les façons, vous en foutez complètement. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez... C'est pour ça que vous avez le signe des Béliers dans la 2e maison avec Mars. Soleil en exaltation, oh bordel, et c'est un truc de malade. Attends, bon. Bélier dans la 2e maison, dans la maison des talents et des dons, des possessions. D'accord ? Ce que tu possèdes donc et que tu te rends compte justement, c'est que tu as un corps physique et tu as Bélier dedans. Donc bordel, t'as envie de le mettre au zénith littéralement, tu vois, d'expérimenter un maximum dedans. Expérimenter, première maison, on parle de l'ascendant. Poisson, bah ouais. Et bref, là on parle de l'opposé. Dans la maison 7, la personne avec qui en fait tu aimerais bien te lier. Tu vois? Et donc justement, comme la terre est en chute chez toi, littéralement, les choses terrestres, en fait, ça t'intéresse pas. Zéro. Les petits trucs sur lesquels tu dois poser tes yeux ou regarder les détails. Mais t'as besoin de ça. T'as besoin de gens comme ça aussi qui sont autour de toi pour te dire hey. Check-le. Hey, mes frères, vraiment? Check-la. Tu vois des bails comme ça, des gens comme ça qui donnent leur avis sur tout et sur ça aussi. Gardien de ton couple là. Arrête. Ta naïveté. Oh. Tu attires à toi des personnes qui vont venir te critiquer parce que justement, ta naïveté tend à te faire aller expérimenter. En plus, Bélier dans la maison 2, t'aimes expérimenter, n'est-ce pas? Tu dois apprendre de ces personnes-là. Parce que toi, s'il faut, bah t'y vas. Ok, Jupiter dans la maison 1, Yin en plus. Je parle même pas des autres alignements qui sont sales, gaderme. Ah bah, le truc qui se passe, c'est que bah, justement, tu expérimentes, tu vas avec les... Oh, tu crois. Je crois. Donc, ça explique bien ta naïveté. Et ça explique bien pourquoi les Vierges viennent tomber dans la maison 7 pour venir critiquer ton entourage ou bien toi aussi, par exemple, parce que tu es trop naïve, en gros. Tu es une personne trop naïve, en gros. Une fois, justement, que tu auras trouvé la bonne personne, en gros, avec qui aller, eh bien, tu iras, justement, dans le statut social où il y a le signe mutable, feu des Sagittaires. Capable donc de changer, changeable, changeant plutôt, et d'exprimer en fait ses émotions et ses sentiments, sa vision plutôt des choses, et donc dans le plan du statut social. Donc la maison 10 en fait c'est le statut social, c'est le paradis, c'est ce que tu veux atteindre, et en fait ton paradis à toi c'est de savoir exprimer feu. Tu vois, ta propre vision Sagittaire. Donc, ça veut dire prendre ton Jupiter intérieur et l'extérioriser. Et là, devenir carrément professeur ou gourou style, peu importe. Tu vois, le bail, goddamn right. Connecté à un signe qui est haut en plus, t'es assez craintif. Il y a des choses que tu veux absolument garder pour toi. Et c'est pas n'importe quel signe d'eau que t'es. C'est un signe d'eau mutable, hein. T'es capable de mimer en fait tout ce qu'il y a dans le cercle zodiacal, littéralement, émotionnellement. Donc, littéralement, quand quelqu'un vient avec une certaine vibe, t'es capable de lui donner la même chose. Si ce n'est plus. T'es d'une naine de la spécialisation, pour ceux qui connaissent. Et donc, avec la vibration du Sagittaire, pour atteindre ton paradis, en gros, tu dois apprendre justement à mettre tes peurs, tes craintes de côté afin de pouvoir t'élever. C'est ça ton paradis, gars. Parce que tu as Jupiter donc dans la maison 10, alright. Le statut social donc en fire, mutable en plus. Tu as plusieurs cordes à ton arc carrément. Parce que tu as plusieurs expériences à raconter. Une fois que tu seras bien, tu vois, les malaxés afin de pouvoir les extérioriser.
Sherigunstall. Sherigunstall. Rasengunstall. Jenkindamania face, gars. Alors, c'était ton Kingu Bill Ali in the damn house. C'était la dernière. On a vu donc, en fait, l'impression émotionnelle qui a été, en fait, marquée dans la maison 12 et qui ira s'exalter à nouveau. Parce que c'est la maison 12. 1 plus 2, ça fait quoi? Ça fait 3. Donc, tu retournes dans un nouvel environnement que tu vas créer pour toi maintenant, gars. Bon, à qu'est fait, hein. Alors, on peut toujours essayer de capter comment vous vous comportez lorsqu'on décortique les autres maisons. Dans la maison 2, vous avez un signe cardinal, celui des béliers. Ok? C'est un signe de feu avec un soleil qui est en exaltation. Donc, ça veut dire que vous allez vraiment montrer vos actions. Vous allez montrer, en fait, ce que votre passion, vos désirs aussi. Parce que ça reste le bélier, ça reste Mars qui le gouverne. Maintenant, dans la deuxième maison, vous allez le faire donc avec votre corps, car c'est ce que vous possédez. Tu viens d'arriver. Voilà, taureau style, dans la maison du taureau. Mon corps, fixé dans mon corps, ok? Donc, ta personnalité est fixée dans ton corps. Et ton corps t'octroie certains talents. Et tu es très talentueux. À l'extérieur, bélier, soleil, exaltation. Tout comme à l'opposé, à l'intérieur, balance. Hein? La maison 8, la maison du noir, la maison du sexe. La maison de la magie, notre maison préférée. Tu sais, les petits trucs qui se passent dans le noir. Les choses qui sont d'ordre occulte, donc. Et dedans, donc, tu as le signe des balances. Et les balances, elles sont très... sur l'art, le beau. Le beau. Et tu fais de belles choses dans le noir. Enfin bref, dans la maison 9, la spiritualité. Et quand je dis que vous êtes profond, en fait, bah, c'est prouvé là. Dans la maison 9, en fait, c'est la phrase déjà, c'est je vois. Le plan, c'est la vie, littéralement. Donc tu vas te mettre à philosopher, en fait, des choses que tu es en train d'expérimenter dans ta vie, tout simplement. Et tu vas avoir plusieurs visions dessus. Mais toi, en fait, tes visions sont extrêmement profondes, secrètes. Parce que dedans, tu as ce qui est né dans la maison 8, où tu as balance, quand tu as ascendant poisson. Et bah, dans la maison 9, donc, tu as scorpion. Ils sont connus pour garder les secrets deep et profonds. C'est la maison 9. Et ce qui fait opposition à la maison 9, c'est la maison 3. Et vous avez quoi dedans? Vous avez taureau. Ça veut dire que vous êtes carrément fixé, vous fixez vos pensées sur vos émotions, ce que vous ressentez lorsque vous expérimentez dans la maison 9. Donc votre vision, votre religion, votre spiritualité, c'est trop profond. Tu ne sauras jamais vraiment, en fait, comment il le prend réellement, tu vois. Et surtout, d'où est-ce qu'il est parti prendre ces informations-là? C'est dingue. Parce qu'en plus... quand il arrive justement à masteriser ça dans la maison 11, dans la maison des étrangers, donc avec nous littéralement qui sommes étrangers à lui en gros, lorsqu'il vient nous parler en fait d'une expérience, oh bordel, c'est un truc de dingue. Il arrive à t'expliquer des trucs. C'est la maison 12, hein. C'est l'intensité de la maison 12 dans la maison 1. Il arrive à t'expliquer des bails qu'il y a dans des films, des mangas, des dessins animés, de haut. N'importe où il posera ses yeux. Parce que ça reste Jupiter. Ça reste l'intuition. En plus de ça, c'est un signe d'eau. Et les signes d'eau, comme c'est intériorisé, comme ils nourrissent de l'intérieur, hein, genre, et c'est... Et je vais m'arrêter, bordel. Je vais m'arrêter. Et, alors, c'était votre King ou Bill Ali. Oh, bordel. Master de ces rémionies. Yeah, yeah, yeah. Sur mes ascendants, poissons de la 12e maison. Alors, moi, je vais aller en cabane en moi. Alors, je vous dis, haché, haché, haché. Et ciao, peace, ouais. Haché, 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 yeah. Jusqu'à la nouvelle vidéo. Je vais calmer mon Léo. Et maintenant, et à... alors je vous dis à plus tard. Jusqu'à la nouvelle vidéo.